Hello, good afternoon everyone. Good afternoon, the ninth graders, troisième six, troisième sept. This is your live, specially done for you and recorded for you. Broadcast. Welcome. Welcome to your English lesson. I'm waiting for you. Yeah. Oh no, where are you? Hello. No one? Ooh. Are you still having a nap? Vous êtes encore en train de faire la sieste? I hope you're not outside playing. Or you're allowed to go out in your garden, but I hope you're not in the street wandering around with your friends. Good afternoon. Hello, hello. Join me. And not leave me alone. Oh, hello, there are two people connected. À faire. Alors, c'était vraiment très, très peu. J'ai eu beaucoup de retours, donc c'était pas une option. Oh, hello. Hello, Abdella, how are you? Donc, ce n'était pas une option, ces deux petits DM qu'il fallait faire. Il y en avait un, c'était une compréhension écrite, et l'autre, c'était une expression écrite. Alors, ça va être beaucoup plus simple de corriger la compréhension écrite ensemble. L'expression écrite, ma foi, ça va vraiment être, je pourrais vous donner que quelques bases. Mais il n'y aura pas oui, en général, c'était compris sans aucun problème. Bien mieux compris que la. How sick are you? Are you little sick or very sick? In any case, if you are sick, it's very brave of you. J'espère juste que c'est un rhume et que c'est pas trop grave, Abdella, puisque tu me dis que tu es malade. Okay, so let's start the correction. Oui, donc j'étais en train de vous dire que la correction de la lettre, donc les réponses, la compréhension écrite, bon, vous l'avez très bien compris, cette lettre. L'expression écrite était pas mal non plus, pas mal du tout pour certains. Un peu léger pour d'autres, étant donné quand même que vous êtes en troisième, parce que c'était marqué 60 mots maximum. Il y en a. Oh, alors j'ai des nausées. I feel sick. Et j'ai mal au ventre. I have a stomach ache. I have a stomach ache. Oh, bah dis donc, t'as peut-être mangé quelque chose qui a pas que tu as mal digéré. Ok. Alors, I'm going to read the letter and then I will answer the questions. I will answer both in French and in English because it was not written which language you were supposed to use to answer the letter. So the letter, London, September the 19th, 1940. My dearest John, our little Elizabeth was evacuated this morning. It was very hard for me not to watch the train leave. She's only 3 years old. I know it's better to keep her safe from the bombings, but I regret not going with her. On the one hand, I feel guilty, but on the other, I cannot stop working. I hope you're well in Dunkirk. I miss you with all my love, Marion. Donc, alors, les lettres que je vous avais données, la lettre de, il y avait Edna, et puis la lettre de Thomas, ce sont de vraies lettres, ainsi que celle-ci, ce sont de vraies lettres qui ont été écrites par des vraies personnes pendant les évacuations. Donc, elles ont été adaptées. Il y a des choses qui ont été un peu retirées, elles ont été adaptées, mais ces lettres existent vraiment. Hello Noah, good afternoon. Alors donc,
Vous deviez lire la lettre suivante et repérer. Donc, on a fait la lecture, c'est fait. Alors, il n'y avait pas vraiment de mots difficiles là-dedans. Il n'y en avait peut-être même aucun. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, qui écrit la lettre? Qui écrit la lettre? Marianne. Ça, c'était pas du tout compliqué. Donc, Marianne is writing the letter. Qui en est le... John is Marianne's husband. Je vous rappelle que pour faire le cas possessif, on inverse en anglais. Donc, et le lien de parenté avec l'auteur de la lettre. Alors, de qui parle la lettre? So, it's about Elizabeth. Ça, vous l'avez trouvé sans aucun problème. Elizabeth. Et son lien de parenté avec l'auteur, Elizabeth is Marianne's daughter, de John. Ah oui, au sujet du dessus, là, qui en est le destinataire, le nom et le lien avec l'auteur. Donc, c'était bien son mari. C'était pas son petit ami, c'était pas son concubin. Donc, à l'époque, c'était vraiment husband et wife. Donc, de qui parle la lettre? Donc, Elizabeth, Marianne's daughter, ou Marianne's and John's daughter. Ce qui lui est arrivé, cite une phrase. Alors, donc, cite une phrase, c'est-à-dire qu'il fallait trouver dans le texte. On suit la consigne. C'est qui ça? Loïc. Hello, good afternoon, Loïc. Donc, on suit bien la consigne de ce qui lui est arrivé. On cite une phrase. Et donc, en fait, c'était la phrase, on met entre guillemets, puisqu'on fait une citation. Tac, 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 tac. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'était la première ligne. Our little Elizabeth was evacuated this morning. Voilà, vous pouviez vous contenter de ça. Oui, Loïc, j'ai reçu ton DM. Donc, our little Elizabeth was evacuated this morning. Vous pouviez le transformer en français. Leur fille Elizabeth a été évacuée ce matin. Voilà, vous pouviez vous contenter de ça. Et le sentiment de la personne qui écrit, eh bien, elle est très triste. Elle est très triste. She's very sad. She feels guilty. Elle se sent coupable, puisqu'elle le dit. And she is very, very sad. It was very hard. It was very hard for me not to cry. Ça, c'est la partie que vous pouviez mettre entre guillemets, ou vous contenter de elle est très triste parce qu'elle a dû laisser sa fille partir pour être évacuée. Voilà. Donc, c'était absolument pas compliqué. Voilà. Il n'y avait pas de difficulté. Ensuite, il fallait répondre. Imagine you're the husband, write a letter back to Marianne. Donc, imaginez que vous êtes le mari, répondez à Marianne. Alors, quand on répond dans une lettre, si on a un modèle de lettre, eh bien, on le suit. Donc là, pour ce modèle de lettre, vous aviez tout en haut, London, September the 19th, 1940. Donc, comme on sait qu'il est à Dunkirk et qu'il répond là-bas, donc ça aurait été judicieux d'écrire Dunkirk, de trouver une date logique. Alors, pas le 20 septembre. Après, je vous le dis parce que je l'ai vu. Voilà, dans une évaluation ou dans un devoir maison qu'on aurait fait ensemble, on aurait pu voir tout ça en plus. Mais même sans voir ça, il faut être logique quand on fait ce genre de devoir. Quand on vous dit « répond à la lettre », comme ça peut l'être très bien en français pour le brevet, si on vous dit « répond à la lettre », il faut penser que les gens aient eu le temps de recevoir cette lettre. En l'occurrence, donc là, elle l'a envoyée de Londres, elle l'a écrite le 19 septembre. Le temps que ça arrive en France, Dunkirk, je vous rappelle que pour ceux qui ne savaient pas, c'est Dunkerque, dans le nord de la France. Donc, avec la guerre, etc., c'était pas logique de marquer Dunkirk, September the 20th, Dunkerque le 20 septembre. C'était impossible. Donc là, je vous parle de logique. Donc, vous pouviez marquer Dunkirk, September, pourquoi pas, mais le dernier jour, ou 10 jours ou 15 jours plus tard. C'était même encore mieux d'écrire Dunkirk, October
fifth or fourth or tenth, peu importe. Bon, il ne fallait pas non plus aller trop loin dans le temps. Voilà, donc première chose. Deuxième chose, quand on écrit une lettre, alors c'est vrai que vous les ados, vous n'en écrivez pas des masses parce que vous envoyez beaucoup de SMS, ou mais bon, si vous arrivez quand même d'écrire des lettres, il faut quand même un destinataire. Donc, vous auriez pu commencer par prendre le même modèle, « My dearest Marion »,« My dear Marion », ou « My love », comme j'ai pu le trouver. Et puis ensuite, répondre, blablabla, blablabla, je ne peux pas faire le détail là. J'ai vu deux choses très bien. J'ai vu un gros contresens où l'élève qui a écrit a répondu en disant que, quand j'ai lu sa réponse, j'ai pensé que toute la famille était réunie à Dunkerque. Et non, pas du tout, hein. La famille n'est pas réunie à Dunkerque, hein. Donc ça a été le gros contresens que j'ai trouvé. Donc, vous faites votre petite lettre. Et puis ensuite, à la fin, donc les petits mots gentils de fin de lettre d'un mari à une femme, vous pouviez reprendre « I miss you »,« Tu me manques », ou « I miss you and I miss you and Elizabeth »,« Tu me manques ainsi qu'Elizabeth ». Et « With all my love », qui pouvait terminer votre phrase et en signant « John ».« With all my love », ou alors « I love you »,« I miss you », des petits, voilà, ce genre de petites choses. Et enfin, il fallait signer « John ». Voilà. Mais je vous dis, l'expression écrite, vous en êtes bien sorti. Voilà. Alors, donc ne vous affolez pas, ça sera sur le Pronote dans pas longtemps. Je ne l'avais pas mis sur Pronote, parce que ce n'était pas bien clair ce qu'on nous demandait. Donc maintenant, ça l'est, c'est du coefficient zéro, mais on peut rentrer quand même la compétence qui correspond. Voilà. Au début, je m'étais dit, ça ne sert à rien que je rentre tout ça. Si c'est effacé, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc finalement, donc maintenant, c'est clair qu'on peut rentrer et on met coefficient zéro. J'ai déjà commencé à le mettre d'ailleurs. Quand je vous avais... Non, vous, c'était les premières choses que vous me rendiez. Voilà. Ensuite, voilà. Et ben donc, c'était tout ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, le DM. Les deux, compréhension écrite, expression écrite. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose aussi que j'ai vu. Il y en a qui n'ont pas bien compris, et c'est normal, qui n'ont pas bien compris la voix passive. Alors, ce ne sont pas des cours normaux, ce n'est pas évident à suivre, mais il y a quand même des petites choses basiques. Et je ne vous en ai pas parlé la dernière fois parce que je n'avais pas eu tous les devoirs, mais là maintenant que j'ai récupéré 95%, on va dire, je les ai bien regardés et corrigés. Alors, l'exercice numéro 1, alors, je me suis rendu compte qu'en fait, les phrases de traduction qui étaient les plus dures, c'était « Cette montre a été réparée », qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Attendez que je retrouve ça. « Cette montre a été réparée », ben forcément, je ne l'ai pas sous les yeux, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas très grave. Toc, 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 toc. Non, je ne l'ai pas sous les yeux. Bref, c'était des phrases en français qu'il fallait traduire en anglais. Et ce que vous avez mis par rapport au reste, après, vous êtes allé sur des traducteurs. Parce que ce n'est pas possible d'avoir toutes ces phrases juste à droite, des phrases de traduction, et beaucoup d'erreurs à la partie gauche où il fallait un peu plus réfléchir. Donc, je voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus pour que vous puissiez acquérir bien comme il faut les bases. Et là, je vous suggère vraiment d'avoir votre cahier à côté de vous, ou tout au moins quelque chose pour écrire, une feuille, un stylo, pour que vous puissiez prendre des notes au fur et à mesure de ce que je vais dire, de ce que je vais écrire aussi,
pour que ça soit vraiment, vraiment clair dans votre tête. Donc, so if you wish, you may open your copybooks and write today's date. So today's Thursday, the 9th of April. Thursday, April 9th. Alors, si je ne me mets pas au bon endroit, ça ne va pas le faire. Sorry. Let's start again. Thursday, or April 9th. Avec un A majuscule à April, bien sûr. Si je vous le dis et que je ne le fais pas, c'est pas génial. Thursday, April 9th. Donc, objectif, la voix passive. Alors, j'insiste vraiment pour refaire ça parce que c'est super simple à comprendre, mais peut-être qu'au final, je ne l'avais pas bien abordé avec vous. Et comme je vous dis, c'est quand même pas évident de faire ça en regardant un écran et puis en ayant quelques élèves qui se connectent. C'est pas facile. Donc, il faudrait vraiment, vraiment que ça soit acquis. Pas une fois pour toutes, parce que vous allez y revenir l'année prochaine en seconde, peu importe la seconde que vous ferez. Mais bon, tant qu'à faire, si on peut déjà bien dégrossir au maximum pour que ça arrange, ça aille plus vite l'année prochaine, ça ne sera pas plus mal. Alors, donc, la voix passive, on met en avant les victimes. Ça, c'est très important. On met en avant les victimes. On met en avant les victimes. 10 personnes ont été tuées dans un accident de voiture. Voilà. 8 personnes sont mortes. 8 personnes sont mortes dans un accident de voiture. Bon, je prends accident de voiture, il n'y a que ça qui me vient en tête. Donc, c'est vraiment les victimes qui sont mises en avant. C'est un style journalistique. Donc, ça, on peut toujours le noter. C'est du style journalistique. Journalistique. Et bien souvent, on l'emploie pour traduire « on » en français. On l'emploie pour traduire « on » en français. Voilà. Donc, on met en avant les victimes, c'est du style journalistique, et on l'emploie pour traduire « on » en français et pour aller directement à l'essentiel. Alors, la chose la plus importante à retenir, et c'est ce que j'ai vu dans beaucoup d'exercices, dans trop de DM quand je les ai corrigés, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier l'auxiliaire « be ». Donc, toujours « il le faut toujours. Peu importe le temps, il le faut toujours. Toujours, toujours, toujours. Et toujours, toujours le participe passé. Et toujours le participe passé. Donc, toujours l'auxiliaire be et toujours le participe passé. Alors, participe passé, petit rappel, participe passé, petit rappel, c'est... Si c'est un verbe, c'est écrit comme ça. Ah oui, j'ai pas retiré la touche. Donc, participe passé, je recommence. Si le verbe régulier, si le verbe irrégulier, on mettra ED. Participe passé, mais ça vous le savez. Si le verbe est régulier, on met ED. Participe passé, si le verbe irrégulier, à ce moment-là, c'est la troisième colonne. Voilà. C'est pour ça aussi que le temps qu'on ne se voit pas, tout ce temps que vous passez chez vous, alors vous avez certainement, vous faites plein de choses, ça j'en doute pas, vous devez aussi de temps en temps vous ennuyer, à ne pas savoir quoi faire, donc vous trouvez certainement des activités plus ou moins sympa, mais si vraiment, 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 vous ne savez pas quoi faire du tout,
faudra être super courageux et reprendre un peu les verbes irréguliers et les regarder de temps en temps. Parce que ben, faut pas les oublier. Tout comme les vacances cet été, je parle de juillet-août. Juillet-août, ça serait bien que de temps en temps, vous ouvriez un livre ou un endroit où vous pouvez trouver les verbes irréguliers. Voilà, ça se remet, ça se perd pas et on remet toujours. Voilà, vous en aurez toujours besoin, peu importe le cas, mais bon, vous aurez toujours besoin des verbes irréguliers en anglais. En plus, ça vous fait du vocabulaire. Alors, donc, on va y aller, on va y retourner progressivement. Donc, au présent. Au présent, ça va nous faire quoi? Ben, ça va nous faire un be au présent. Donc, je vais prendre mon chat et ma souris parce que c'est l'exemple bateau qu'on prend tout le temps. Le chat mange la souris est mangée par le chat, la souris a été mangée par le chat, la souris sera mangée par le chat, etc., etc. Donc, c'est vraiment le verbe bateau. Hello, je suis un cinquième, mais je regarde quand même. Ok, hello Noah. Oui, je sais que tu es un cinquième. Après, tu risques peut-être d'être perdu, mais regarde quand même, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors donc, au présent, donc on va faire notre chat qui mange la souris, et donc la souris est mangée par le chat. Donc, on inverse. Vous le savez, the mouse is, is eaten by the cat. Voilà. Donc, on a notre be au présent. The mouse is eaten by the cat. Au pluriel, ça ferait are. Hello Myriam, désolée du retard. Non, 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 t'as pas à être désolée. Oh, c'est pas de chance quand même, hein. Sur deux désolés, il n'y en a pas un qui est écrit correctement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Fallait bien que je t'embête. Ça fait longtemps que je t'ai pas embêté, Myriam. Donc, il fallait bien que je t'embête un petit peu. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On est en train de reprendre la formation de la voix passive parce que ça n'a pas été compris par tout le monde. Et c'est un petit peu, ça m'ennuie. Ça m'ennuie un peu. Donc, présent, the mouse is eaten by the cat. On a bien notre auxiliaire être, c'est is. C'est is pourquoi? Parce que the mouse, ben, il n'y en a qu'une. Donc là, c'est pareil, il faut connaître votre auxiliaire être par cœur. Enfin, le troisième, même pas, je devrais vous demander si vous le connaissez par cœur. Et ensuite, la troisième colonne du verbe manger, eat, ate, eaten. Donc, il faut que ça soit clair par tout le monde, pour tout le monde. Au passé, au prétérit. 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 Donc, on va parler de hier. La souris a été mangée par le chat hier. Il nous faut un marqueur de temps pour être bien clair que, on utilise be au prétérit. Alors, be au prétérit, même chose, il faut se rappeler, be au prétérit, c'est was ou were. Comme on parle que d'une seule souris, donc on va marquer the mouse was. Alors, je vais le mettre en plus grand. Was eaten by the cat yesterday. Voilà, au prétérit, the mouse was eaten by the cat yesterday. Si ça avait été pluriel, les souris ont été mangées par le chat hier. Alors, souris, il a un pluriel irrégulier. Mouse, on ne dit pas mouses. Sinon, c'est une autre bête, c'est un autre animal, et c'est quoi comme animal déjà? Un caribou. C'est un caribou. Donc, bon, les caribous mangés par un chat, je vois pas trop. Un caribou, si vous voyez ce que c'est un élan. C'est des grandes bêtes avec des longues pattes et des grandes cornes. Enfin, bref. Donc, the mice were, W-E-R-E, were eaten by the cat yesterday. Donc, on a notre be et on a notre participe passé. Donc, on est bon. Au present perfect. Present perfect. Present perfect, c'est un temps du passé, mais pour lequel
On ne précise pas la date. Ce qui nous importe, c'est le résultat. Autrement dit, la souris a été mangée par le chat. Et ben maintenant, il n'y a plus de souris dans la maison. Voilà, ce qui nous importe, c'est le résultat. Donc, c'est là où ça coince un peu, parce que le present perfect, on voit ça en quatrième. On ne voit pas ça ni en sixième ni en cinquième, parce que c'est un peu compliqué. On voit assez de choses dans ces deux niveaux. Et quelquefois, en quatrième, vous ne maîtrisez pas bien. En troisième, on en remet une couche. Normalement, j'ai déjà dû vous en reparler, c'est même sûr. Mais bon, c'est jamais, il faut suivre le programme et puis voilà quoi, on passe toujours à d'autres choses. Donc, on a besoin d'un be, obligatoirement, au present perfect. Et be au present perfect, c'est pas compliqué, c'est have been ou has been. Donc, en l'occurrence, comme il n'y a qu'une seule souris, the mouse, hop. The mouse has been eaten. On a notre be conjugué au present perfect, has been, et on a notre troisième colonne, eaten. Si ça avait été les souris au pluriel, on aurait eu the mice have been eaten. Emma Carbonel, bonjour, hello Emma, ce n'est pas le 15, ce n'est pas 15h le live normalement. Alors attends, tu mets un gros doute là, on est jeudi c'est 14h, 15h c'était la toute première fois, donc il y a 3 semaines. Voilà, donc vous c'est tous les jeudis à 14h, il y a juste une fois où il y a eu 15h. Mais non, sinon c'est 14h. Et le mardi, c'est 10h. Mardi 10h, jeudi 14h. Voilà. Bon, je le remettrai la prochaine fois quand je redonnerai les... il me semble que je l'avais mis. Bon, je le remettrai à chaque fois. Surprenant, j'ai écrit 15h. Ah mince. J'ai écrit 15h pour aujourd'hui. Ah ben alors, I'm sorry, I'm really, really, really sorry si j'ai écrit 15h. On est bien jeudi aujourd'hui, oui. Donc jeudi pour les 5e à 10h, pour les 4e à 9h et jeudi pour les 3e à 14h. Ah ben alors là, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Sorry, 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 sorry. Jeudi 9 mars, non, jeudi 9 avril à 15h. Eh ben autant pour moi. Je me disais aussi, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon. Bah écoutez, j'y suis, donc je continue. Hein. C'est dommage pour ceux qui arrivent en cours de route ou... sorry. Bon, après, bon, je ne sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu de mal avec ce confinement. Hein, donc, c'est pas... il faut essayer de rester un peu... Ah bon, j'ai du mal, quoi, voilà, comme tout le monde, je suppose. C'est court comme ça, là, j'aime pas, mais bon, faut bien le faire. Donc, je vous ai pas en face de moi. Mais bon, ah ben désolé les filles. Alors, donc, oui, bah oui, toi aussi, ça t'énerve, Emily. They can watch it after, oui, ils peuvent le regarder en replay. Oui, en replay, c'est bien aussi. Miley, désolée pour le retard. Bah non, du coup, t'es pas en retard, t'es méga en avance, mais on t'expliquera, t'inquiète pas, c'est un bug, c'est ta prof d'anglais qui bug, voilà, qui bug parce que je sais pas, peut-être parce que je vais changer d'âge bientôt et je me fais vraiment vieille, il faut vraiment que je trouve un autre job, je suis trop vieille pour faire cours à des ados qui ont une mémoire super fine. Donc bon, ben Miley, écoute, alors, t'es pas en retard, t'es pas en avance, voilà, c'est pas grave, Miley, don't worry. Ok, donc, j'en étais où, moi? Oui, moi, j'étais en train de refaire la voix passive. Donc,
Mais non, mais si, Noah. Oh là là, tu verras quand tu auras mon âge. You'll see. When you're my age, you'll see. Donc, on a vu, on a revu le présent, be au présent. The mouse is eaten. Be au prétérit, the mouse was eaten. Be au present perfect, the mouse has been eaten. Et donc, il nous manque le futur. Futur. Donc, be au futur, et eh bien, c'est pas compliqué. The mouse will be eaten. The mouse will be eaten. The mouse will be eaten. Ah, bah oui, c'est super ça, Loïc. Si tu peux expliquer à Miley la voix passive, c'est génial. The mouse will be eaten. Si on a un modal, alors un modal, c'est un petit mot, ça s'appelle un auxiliaire de modalité. C'est un petit mot, en fait, qui sert à moduler le sens de la phrase. Par exemple, donc ça serait quoi? Ça serait, je dois faire mes devoirs, I must do my homework. Donc, ce doit-là, il module. C'est pas je fais mes devoirs, c'est je dois. On insiste. Donc, des mots d'eau, vous en connaissez quelques-uns déjà. Donc, vous connaissez can, vous connaissez must, vous connaissez may aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modal? Will est un auxiliaire modal. Donc, ça aide à moduler, ça aide aussi à conjuguer dans certains cas. Donc, alors, avec must, eh ben, ça ne va pas être compliqué. The mouse. Must be eaten. The mouse must be eaten. La souris doit être mangée par le chat. Bon, ça fait bizarre comme phrase, mais voilà. The mouse must be eaten by the cat. Avec can, c'est pas compliqué. The mouse can be eaten by the cat. The mouse can be eaten by the cat. C'est super simple la voix passive. C'est vraiment très très simple. Mais il faut connaître votre basique qui est be. Quand on répète et quand on dit au petit sixième et quand on les matraque avec ça, ainsi qu'en cinquième, quand j'insiste vraiment, et puis moi et puis les autres collègues d'anglais, hein, be c'est vraiment la base. Et vous devez poser les bases. Comme si vous construisiez une pyramide, s'il vous manque un pavé dans votre pyramide, bah à un moment donné, vous ne pourrez plus la construire, elle va s'écrouler. Et donc, be, c'est vraiment la base. Vous devez connaître ce verbe à tous les temps, selon votre niveau, bien sûr, hein, sixième, cinquième, quatrième, troisième, ce n'est pas les mêmes temps. Voilà. Mais au fur et à mesure, quand on en rajoute une couche, donc en sixième, c'est le présent, en cinquième, c'est le prétérit, en quatrième, c'est le futur, et l'autre temps du passé. En troisième, on en rajoute une couche, on met le conditionnel, on fait la concordance des temps. Voilà, à un moment donné, tout ça, ça vient au fur et à mesure de se connecter, mais il vous faut vraiment, vraiment la base. Voilà, the mouse can be eaten. The mouse must be eaten and the mouse will be eaten. Voilà, donc avec ces cinq temps, donc présent, preterite, present perfect, future, must, can. Vous avez vraiment de quoi faire. Et là, vous êtes paré pour la seconde. J'aurais pu mettre au conditionnel aussi, au conditionnel. La souris serait mangée par le chat s'il avait pris le temps de la chasser. So, the mouse would be eaten by the cat if the cat had taken the time to chase her. Bon, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, est-ce que vous avez des petites questions là-dessus? Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais vous donner, alors à l'origine, ce que je vous ai donné comme DM pour aujourd'hui, donc c'est-à-dire la lettre de Marianne et l'expression écrite, ça faisait partie d'une évaluation qui était beaucoup plus longue, à laquelle vous auriez eu droit si je vous avais eu en face de moi, où je vous demandais, en plus, de traduire quelques phrases. Alors, la traduction
Ce n'est pas d'actualité, mais ça vous fait travailler un peu les neurones. Et puis moi, j'aime bien. Et puis personne s'en plaint. Donc voilà. Alors, je voudrais que vous essayiez, maintenant vous êtes un petit peu plus. On a emmené les réfugiés dans des familles d'accueil. Je ne sais jamais l'écrire, celui-là. Ah oui, le U, il est là. On a emmené les réfugiés dans des familles d'accueil. Alors, on a emmené les réfugiés dans des familles d'accueil. On est bien d'accord qu'en français, ce n'est pas une voix passive. D'accord? Ce n'est pas les réfugiés ont été emmenés, sous-entendu, par des gens. On a emmené les réfugiés dans des familles d'accueil. Mais, but. On a le on. Et le on est une peu impliqué, et là, il implique une voix passive en anglais. Alors, il faut trouver quelles sont les choses ou quelle est la chose ou les personnes les plus importantes dans cette phrase, les mettre en premier. Ensuite, on trouve le temps de cette phrase, ce qui implique que vous connaissez un petit peu vos temps en français aussi. Et ensuite, on n'a plus qu'à, par rapport au temps de la phrase, à trouver le temps en anglais. Alors, est-ce que je vous laisse un petit peu de temps ou je vous donne directement la réponse? Non, je pense que vous pouvez faire ça. Alors, réfugié, c'était un mot de vocabulaire que je vous avais donné la dernière fois. Si vous n'avez pas votre cahier sous les yeux, ça va être un petit peu compliqué. Bon, après, il ressemble beaucoup au mot en anglais. Allez, je vous attends un petit peu pour que vous puissiez essayer de faire ça. Alors, qui se lance? Qui se lance? Qui se lance? Ça rame un peu. Ou alors vraiment, vous n'avez aucune idée. Après, ça peut ramer, hein. Ce matin, ça ramait un petit peu. Ça buguait un petit peu ce matin. Sinon, on y va directement. Alors, on est d'accord que. Alors, je vais relancer. Yes, very good, Myriam. Good. Yes. Alors, famille d'accueil, ça, je peux vous donner le mot. Host. Host family, avec un H. Host, c'est celui qui accueille. The host. C'est celui qui accueille. Un hôte, en fait. Voilà, c'est un hôte. HOTE. HO, accent circonflexe, TE en français. Donc, Myriam, very good. Bon, tu peux rajouter host families. Et les autres? No. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, je recopie ta phrase. The refugees. Alors, on a notre be. Passé. Et on a notre troisième colonne. Du verbe prendre. Refugees were taken. Prendre, emmener, quoi. The refugees were taken in host families. On a bien notre verbe be au passé, au prétérit. Pourquoi? Parce que on a emmené, c'est du passé en français, c'est du passé composé. So the refugees were taken in host families. Good. Ensuite, j'avais donné quoi? J'avais donné quoi comme deuxième? Ah oui, la ville était bombardée. La ville a été bombardée. La ville a été bombardée. La ville a été bombardée. Alors, là, je vous précise, je n'ai pas mis de date. Je ne mets pas de date. Donc, quand il n'y a pas de date,
il faut se rappeler de quel temps il s'agit en anglais. Pas de date, mais cependant du passé. Et les conséquences, c'est que bah, maintenant, c'est juste un champ de ruines. Donc, comment diriez-vous ça? La ville a été bombardée. Alors, donc, Myriam, alors très bien pour ton be au present perfect. Très bon réflexe de be au present perfect. Par contre, il y a une petite chose. Que vient faire le ing ici? Alors là, je ne sais pas. Alors, le verbe bombarder, c'est to bomb. Alors, on ne prononce pas le b de la fin. Voilà, c'est ça. Donc, on ne prononce pas le B de la fin, mais on est quand même obligé de l'écrire. Donc, c'est un verbe régulier. Donc, on va lui ajouter ED. Donc, the city has been. Je vous ai rappelé qu'il n'y avait pas de date et que les conséquences, c'était ben, que la ville était en ruine. Donc, the city has been bombed. The city has been bombed. The city has been bombed. Et une petite, allez, une dernière qui n'a rien à voir, ou alors je retrouve quelque chose avec notre texte. Allez, la réponse sera écrite par John. La réponse, la lettre, j'aurais dû mettre la lettre. La lettre sera écrite par John. La lettre sera écrite par John. Alors, on regarde le temps de notre phrase. Alors, le temps de notre phrase sera « c'est du futur ». Donc, on se rappelle que obligatoirement on a un be. Donc, on prend le même temps. Ça va être un be donc au futur. Et ensuite, il nous faut un participe passé aussi. Et donc, le participe passé de write. Le participe passé d'écrire, pardon. Voilà. Oh, hello Lali. Good afternoon. Yes, yes. Yes, good. Alors, Miley, deux T are written, tout simplement parce que sinon, ça ne fait pas la bonne prononciation. Et tu vois, ça a une éval de verbe irrégulier, j'aurais pas pu compter juste. Yes, good. Oui, le correcteur, des fois, ça énerve. Hein. On écrit des choses. C'est pareil quand je vous envoie, quand je vous dis merci pour votre travail, que je vous... quand vous me dites « Hello, miss », donc je vous réponds « Hello », puis votre prénom. Et des fois, il y a des prénoms qui changent complètement et il faut vraiment que je me relise pour les prénoms parce que sinon, vous allez dire « Mais elle devient gaga, ce prof, à écrire n'importe quoi. » Mais des fois, c'est très drôle. Et avant de taper sur « Envoyer », j'ai dit « Ah !» le prénom. Donc, « Written » avec deux T. Donc, « The letter will be », qu'est-ce que j'avais marqué ? La réponse, donc au singulier, donc « the letter » will be written by John. That will be written by John. Exactement. Letter will be written by John. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des petites choses encore? Alors, moi, j'ai prévu moi, j'ai prévu de passer à autre chose. Donc, c'est-à-dire la voix passive, je n'en parle plus. Simplement, si vous voulez des exercices en plus, je peux vous en donner pendant les vacances. Et vous me les envoyez. Alors, la première semaine, interdiction
La première semaine, j'ouvrirai pas. Interdiction, oui, j'aurais dû commencer par ça. Interdiction de travailler la première semaine. Voilà, donc, je n'ouvrirai rien, je n'ouvrirai pas Pronote, je n'ouvrirai pas les mails, enfin les mails d'élèves la première semaine. C'est tout bête, mais c'est une consigne. Donc, voilà, c'est pour qu'on puisse un peu relâcher un peu, parce que c'est pas les vacances, quoi. Les 4 semaines, les 3 semaines qui viennent de se passer, ça n'a pas du tout été les vacances. Donc là, je pense qu'à partir de demain, ça va être beaucoup plus relax et là, on va vraiment être en vacances. Mais les 3 semaines qui viennent de se passer, je peux vous dire que pour les profs, ça n'a pas été du tout des vacances. Et je suppose que pour vous, c'est pareil, parce que si j'en crois ce que je vois sur Pronote des collègues, vous avez eu quand même beaucoup de boulot. Donc, voilà. Alors, j'étais en train de vous dire que pour la rentrée, alors pas pour la rentrée quand on va se voir, hein, parce que alors là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se voir, mais le 4 mai, ça me paraît bien peu probable. Mais bon, officiellement, on devrait reprendre, officieusement maintenant, on devrait reprendre le 27 avril, le lundi 27. Donc au bout des 15 jours, quoi. Donc, moi, ce que je vais vous donner des devoirs pour le 28, des petites choses à faire pour le 28, qui n'ont plus rien à voir avec la voix passive. Sauf, si vous m'en réclamez en me disant, ah madame, je veux bien une fiche avec des exercices encore. Et à ce moment-là, bien volontiers, j'enverrai une fiche avec des exercices. Si vous voulez, voilà, je vous enverrai une fiche avec des exercices. Si vous ne demandez pas, je ne vous en donnerai pas plus. Après, si vous ne voulez pas, n'allez pas, je ne penserai pas de vous que, oh, quand même, c'est des paresseux, ils ne veulent pas travailler. Non, non, pas du tout. Si vous vous sentez à l'aise, plus à l'aise avec maintenant la voix passive, vous voyez, si vous sentez que ça coince encore un peu, j'en ai 4 pages. Je ne vous en donnerai pas 4 pages, hein. J'en ai plusieurs pages. D'ailleurs, il me semble qu'on n'avait pas tout fait dans le workbook. Si ma mémoire est bonne, il y en avait encore dans le workbook. Et je crois qu'on n'avait pas fait. Alors, attendez. Où est-ce qu'il est? C'était le 2, page 59. Si vous avez votre workbook sous les yeux, ça fait un peu, c'est un peu canadien. Si vous avez votre workbook sous les yeux, donc le 2, page 59, il me semble, qui continue à la page 60, il me semble que nous ne l'avions pas fait. Je n'ai pas souvenir de l'avoir fait avec vous. Donc, je peux vous donner des choses à faire. Vous me direz, vous m'envoyez un petit message sur Pronote en me disant, bah, écoutez, madame, est-ce que vous pourriez m'envoyer une feuille avec des exercices? Voilà, je vous donnerai ça. Vous me renvoyez ça quand c'est fait. Sauf que je vous dis, la première semaine, je n'ouvre rien. Donc, voilà. Alors, sinon, donc non, on ne l'a pas fait, Myriam. OK. Donc, ben, je pourrais vous donner déjà ça en plus pour ceux qui veulent, que je corrigerai quand on se retrouvera le mardi 28. Sinon, on va changer de, comment ça s'appelle? On va changer d'unité. On va passer à la Jamaïque. Alors, à la base, je vous aurais projeté, comment ça s'appelle? Comment s'appelle ce film? Cool Runnings, et en français c'est Rasta Rocket. Je vous aurais projeté Rasta Rocket, en anglais c'est Cool Runnings, en version originale non sous-titrée. Si, après, si vous ne le voyez pas, c'est pas très grave, hein, c'est pas le film du siècle, mais bon, c'est une comédie super sympa, peut-être que vous l'avez déjà vue. Si vous ne l'avez pas vue encore, essayez-la vraiment de la regarder. Il y a plein de sites en ce moment qui proposent des films gratuitement. Donc, essayez de voir si vous trouvez. Alors, le mieux du mieux, c'est en version originale sans les sous-titres. Aussi bien, mais version originale avec les sous-titres,
En anglais, c'est encore mieux, comme ça vous pouvez suivre. Sinon, version originale, sous-titres en français. Sinon, vraiment, bon, allez, version française. Donc la version française, c'est Rasta Rocket. Rasta Rocket. Et la version anglaise, c'est Cool Runnings. Je vous l'écris au cas où. Cool Runnings. Donc ça, c'est la version anglaise. Et en français, ils ont traduit par Rasta Rocket. Donc, je me servais, parce que cette année, ça va être un peu différent, de cette base de petites comédies sympatoches pour introduire ma nouvelle unité sur la Jamaïque. Donc, je vais vous passer des petites recherches à faire sur la Jamaïque. Vous regarderez sur Pronote, et puis tranquillement, vous ferez ça. Essayez pendant les vacances aussi de regarder des petites vidéos, des petites choses comme ça. Branchez-vous sur YouTube et vous tapez, je sais pas, n'importe quoi, ou des visites virtuelles. Il y a beaucoup, beaucoup de visites virtuelles en ce moment qui se font gratuites sur des monuments à l'étranger. Donc, tant qu'à faire, autant prendre des monuments anglophones, que ça soit à Londres, à New York, à Washington. Donc, essayez de faire un petit peu ça. Sinon, reposez-vous, tranquille. Ça sera bien aussi. Est-ce que vous avez des questions? Have you got any questions, guys? Any questions? Pas trop dur ces 3 semaines de confinement pour l'instant. Donc si tout à l'heure Noël m'a dit que c'était qu'il n'en pouvait plus. Non, les autres, ça va? Vous arrivez à supporter? Alors, I don't know, un peu. I don't know where you live. I don't know if you live in a house or in a flat. But if you do live in a flat, in an apartment, I do hope, j'espère vraiment, I do hope that you have either a balcony or a terrace. I really do hope that you can at least open the window and get some fresh air on the balcony. Parce que sinon, si vous habitez dans un appartement sans balcon, sans terrasse, je vous plains sincèrement, les enfants. Ça doit être vraiment très, très, très difficile. Mais bon. Okay, so that's it for today. Alors, donc, je ne me tromperai pas plus. Je vais faire vraiment attention de bien reprendre ce que j'avais mis dans mon carnet. C'est-à-dire que le mardi, les troisièmes, c'est à 10h. Et le jeudi, les troisièmes, c'est à 14h. Voilà, sur mes deux... sur mon petit cahier. Je mettrai aussi pendant les vacances ce que j'aurais corrigé. J'ai pas fini encore, il m'en reste quelques-uns. J'ai commencé. Toc. Hop. Ceux qui sont là aujourd'hui. Alors, Myriam, tu as eu 2 verres plus, Noah aussi, la petite Carbonelle, à comprendre, il y a une histoire, tu as eu vert pour la compréhension, il y a eu un truc qui n'a pas dû me plaire, après vert plus, après Lali et puis Émilie, 2 verres plus aussi. Donc ça, c'était pour la lettre et l'expression écrite. Et en 3-7, est-ce que j'ai les 3-7 d'ailleurs aujourd'hui? Oui, j'ai Loïc. Loïc, c'est un petit peu plus compliqué pour toi. Bon, tu as eu 2 jaunes, tout en sachant que c'est pas bien, bien grave. Mais bon, voilà. Voilà, et puis les autres, ça sera... Donc, j'ai pas mis encore sur Pronote, vu que j'attendais vraiment... qui nous disent on continue et on met coefficient 0 ou on met plus rien, et à ce moment-là, voilà quoi, ça servait pas à grand chose. Okay, so in the meantime,
Enjoy your holidays. Take good care of you. Don't eat too much chocolate. For those who celebrate Easter, don't eat too much chocolate. Don't forget to wash your hands. Don't forget to sneeze or cough in your elbow. Keep your social distance. Be good. Soyez sage. Be good. Take care. And enjoy your holidays. And that's it, basically. Bye-bye, guys. Bye-bye, bye-bye. Bye bye. Et oui, vous pouvez m'envoyer des messages sur Pronote ou sur ma boîte mail. Il n'y a pas de souci. Bye bye, everyone. Goodbye.